coupé, t'as repris. Salut, ça va? Salut, ça va. Comment vas-tu? Comment je t'appelle? Non, tu m'agresses un peu, ouais, je suis tranquille. Salut, ça va? Non, mais moi, je suis pas méchant. Ah, d'accord. Comment je t'appelle? Zahira. Zahira, quelle origine? Marocaine. Où c'est, en Maroc? Oujda Kaza. Allez, fais un petit coucou là-bas. Salut! Ah, toi aussi, doucement quand tu fais salut. Un homme, est-ce que tu préfères. Écoute-moi bien. Quand un homme riche et célèbre trompe sa femme, il a plus de chances de se faire pardonner qu'une personne qui sera pauvre ou quoi? Non. Pourquoi, explique? Parce que s'il a de la tromperie, c'est de la tromperie, peu importe s'il a de l'argent ou pas. Ah ouais? Ouais. Si par exemple ton gars te trompe, il est riche et il te donne 1 million d'euros, tu vas le pardonner? Mais il est mauvais, il est mauvais. Non mais il est mauvais. 1 million d'euros, il te dit c'est bon, on pardonne. Non, il est mauvais, il est mauvais, hein, ça sert à rien. Ah ouais? Bah ouais, j'ai 2 millions. Mais j'ai de l'argent. T'as 2 millions toi? T'as 2 millions d'euros sur toi là tout de suite? Arrête de mentir, ouais, c'est bien. T'inquiète, hein. Salut, ça va? T'inquiète. Ouais. Comment tu t'appelles? Alexia. Alexia, quelle origine? Je suis péruvienne italienne. Allez, fais un petit coucou là-bas. Ici, c'est Paris. Regardez comment t'es jolie. Très bien habillée, j'ai bien aimé ton ensemble. Merci. Dis-moi, première question, dis-moi exactement. Est-ce qu'un homme qui est riche et célèbre, qui trompe sa femme, a plus de chances d'être pardonné qu'une personne qui est pauvre? Ça dépend du genre de femme. Ah ouais? Moi, je sais que j'accepterai pas. C'est vrai ça? Bah même s'il était riche et célèbre, je vois pas pourquoi j'accepterais ce genre de choses. Il est riche et a l'argent, il est milliardaire. Je veux être une femme indépendante, j'ai pas besoin d'un homme pour ça. Tu seras indépendante comment? Si t'es un milliardaire, comment tu es indépendante? Bah je travaille et je m'en fous. C'est ça. C'est bon, ouais. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille et toi? Ça va, merci. Comment tu t'appelles? Laura. Et toi? Inès. Quelle origine? Libanaise. Et toi? Métisse martiniquaise. Allez, faites un petit coucou devant la caméra. Première question, dites-moi. Est-ce qu'une personne qui est riche et célèbre a plus de chances de se faire pardonner s'il trompe, s'il était pauvre? Non, c'est la même chose. C'est la même chose? Bah, bien donc sûr. Un gars, il te dit qu'il t'a trompé, il te donne 1 million d'euros. Est-ce que tu vas le pardonner? Bah moi, dans ce cas-là, je peux le tromper aussi. T'as l'argent? Mais il a déjà l'argent. Pourquoi il a besoin de moi? Il a déjà l'argent. Il te dit pardon, mais tiens, 1 million. Wow. 2 millions, allez. Et je prends. Voilà. Mais voilà. On oublie. C'est fini, hein, c'est passé. Voilà, faut dire la vérité, pourquoi vous mentez? Ah, moi, elle me connaît, elle sait. Mexico. Elle sait? Elle s'en fout d'argent, elle. Ah, ouais. Ah, c'est bien. Bon, parlons de ça. Vous êtes... Salut, ça va? Ça va. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va, ça va. Il n'y a même pas « et toi ». Non, ça va. Merci. Et moi? Ça va? Ah! Camerounaise, j'ai pas d'argent, désolé. Mais j'ai même pas réclamé d'argent. T'as quelle origine? Camerounaise. Où ça au Cameroun? Douala. T'es Douala? Ouais. En plus, t'es Douala? Moi, je pensais que t'étais Bamileke, j'aurais compris, mais là, t'es même pas Bamileke. Non, je suis Douala. T'es Camerounaise quoi? Française. Allez, fais un petit coucou là-bas. Coucou la France. C'est... Même pas le Cameroun. Mais coucou le Cameroun, si vous me voyez. Bon. Est-ce qu'une personne qui est extrêmement riche, qui trompe, a plus de chances de se faire pardonner qu'un homme qui est pauvre? Bah oui. Pourquoi? Parce qu'elle a l'argent. Parce qu'elle a l'argent. Vraiment camerounaise. Mais non, mais c'est pas moi, c'est vrai. Toi, si ton gars il te trompe, il est extrêmement riche et célèbre. Non. Et il te trompe. Faut pas pardonner, c'est pas bien. Il a l'argent, il te dit bon pardon, il te donne. Non, c'est pas bien. Il te donne 1000 euros. C'est pas bien. 2000, 3000, 1 million d'euros. Non. Arrête. 3, même 10 millions, il te donne comme ça. Non, mais 10 millions. Tu refuses? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Ok. Salut, ça va? Ça va, oui, super. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va, nickel. Comment tu t'appelles? Jeanne. Et toi? Charlotte. Quelle origine? Française. Et toi? Française canadienne. Allez, faites un petit coucou là-bas. Regardez ici. Ok, première question, dites-moi. Est-ce qu'un homme riche a plus de chances de se faire pardonner de la tromperie par rapport à un homme qui est pauvre? Non, mon ex, il était tarpin riche et je l'ai pas pardonné. Comment ça t'a pardonné? Ouais. Il avait combien de son compte? Je sais pas, j'avais pas accès à son compte. Il avait tout, donc ça veut dire que t'avais manqué jamais de rien. Ah mais j'ai pas vécu avec lui, mais lui en tout cas il manquait de rien quoi. Donc voilà, donc si tu te donnais 1 million d'euros, est-ce que tu serais resté avec lui? Non.
bien sûr. Mais oui. Même chose, mon mec est pas millionnaire. On est tous les deux à peu près des gens normaux. Mais s'il me trompe. Mais non, mais. J'avais pardonné sans argent. D'accord. Ça c'est bien ça. Sans doute que je serais capable de pardonner, mais l'argent n'y changerait rien, franchement. Ah ouais? Non, impossible. Vous les femmes. Très bien, merci. Et toi? Super. Comment tu t'appelles? Léa. Et toi? Aude. Aude, quelle origine? Martinique. Où c'est en Martinique? Partout. T'es béquée? Non, je suis pas béquée, je suis de partout. Mais c'est bizarre ça, une Martinique. Mais là, t'es trop blanche là pour. Où ça exactement? T'es où? C'est ça que je te pose la question. Fort-de-France. Fort-de-France? Oui. Et toi? Où en France? Moi, Bretagne. Italienne. Allez, faites un petit coucou dans la caméra. Bon, d'accord. Est-ce qu'il est plus facile qu'un homme sorte, un homme qui trompe, s'il est riche, il est plus facile pour lui de se faire pardonner s'il est riche une personne qui est riche et qui trompe a plus de chances de se faire pardonner par une personne qui est pauvre ou pas? Un homme qui est pauvre ou pas? En gros, est-ce qu'un pauvre peut plus facilement pardonner qu'un riche? Non. Est-ce qu'une femme va plus pardonner un homme qui est riche? Okay. Ça dépend si c'est une michto. Ah ouais, est-ce que toi, si par exemple on te trompe, tu vas pardonner ou pas? Non, que ce qu'il soit riche ou pauvre, je pardonne pas. Si tu te donnes 1 million d'euros? Non. 2 millions? Non. 3? Non. 10? Non. 0. Et toi? Non. Ça s'achète pas la fidélité. Ouais. Mais vous mentez trop les femmes. Mais non. Donc ça veut dire qu'une personne qui te trompe, il te donne 1 million d'euros, tu vas pas pardonner? Non, on te mentirait, on te doit quoi? Rien du tout. Je te dis non, on pardonne pas, c'est tout. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille, comment je t'appelle? Cassandra. Cassandra, quelle origine? Je suis ivoirienne, égyptienne, irlandaise. Ok, fais un petit coucou là-bas. D'ailleurs, question, après c'est fini. Dis-moi, une personne qui est riche a plus de chances de se faire pardonner pour la tromperie qu'une personne qui est pauvre ou pas? Alors, j'ai lu une phrase un jour, je préfère être triste sur un vélo. Non, je préfère être... Attends, c'était quoi? Je préfère être heureux sur un vélo. Non, attends, c'est quoi la phrase? Je vous rappelle pas de cette phrase ou pas? Non, attends. Si c'est vrai, c'est passé dans une émission. Il y a une fille qui a dit, en gros, je préfère être triste dans une Lamborghini et pleurer que être pauvre sur un vélo. Mais en vrai, c'est vrai. Non, ça veut dire que tu préfères que même si le gars te trompe, c'est pas grave. Franchement. Tu donnes 1 million d'euros. En vrai, de vrai, personnellement, oui. Je préfère être vraiment. Je préfère avoir mal et être riche, mais que être pauvre et pleurer en plus. Non, c'est trop. Gars, tu pleures, mais en plus, il est pauvre. Vraiment, non, ça fait. C'est vraiment pour me tuer d'un coup. Genre, non. T'as déjà mis je te donne un gars? Non, jamais. Ah ouais? Non. C'est vrai? Non. Je travaille après, je m'occupe de moi-même.